Les jus d'ex, ça s'appelle comme ça. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Voilà le principe, tu vas comprendre le côté assez marrant de cette affaire. Et, en fait, jus d'ex, c'est un film de Feuillade au départ, dans les années 20. Enfin, c'est un film, c'est plutôt un feuilleton de film. Comme il en faisait pas mal, Feuillade à l'époque, il faisait les vampires, Fantômas. Tu vois ce que c'est, Feuillade? Non, bah, je vois Fantômas, mais. Bah, c'est le créateur, c'est... quoi. Donc, les D'accord, premières séries sont muettes. Hein. C'est des séries des années 10. C'est très rocambolais, c'est assez extravagant la façon de poursuivre une histoire. Ça compte beaucoup sur l'amnésie partielle des spectateurs qui se souvenaient plus très bien dans quelle situation réelle étaient les personnages. En fait, du coup, dans la façon de conduire un récit, c'est pour ça que j'ai choisi jus d'ex, c'est aussi foutraque et rocambolesque que les feuilletons faits à la chaîne au 19e. C'est les feuilletons qui ont la réputation d'être impossible à suivre à cause de la rapidité d'exécution du désordre dans lequel les faisaient les auteurs, genre Boileau-Larsejac, pour prendre l'exemple le plus connu. Et y a un héritage de ça chez Feuillade, avec une dimension plastique, par contre complètement différente. Puis l'air de rien, même si c'était un cinéma super populaire, grand public et un peu bâclé, c'est un type qui cherche beaucoup. Donc il y a des courses-poursuites qui sont folles pour les années 10, à côté donc... extrêmement énergique de son cinéma, et puis il y a des trouvailles de cinéastes des années 10 qui sont passionnants. Donc j'ai pris jus d'ex comme point de départ pour ça, à cause de cette pensée-là du récit. Parce que le principe de jus d'ex, c'est que c'est vraiment une construction presque atomique quoi, du récit. Peu à peu, ça constitue quelque chose, mais c'est quand même extrêmement désordonné comme récit. Par contre, je n'ai pas utilisé comme source iconographique le jus d'ex de Feuillade. J'ai utilisé celui de Franju. D'accord. Parce que Georges Franju, dans les années 60, qui était très fan de Feuillade, a fait son propre jus d'ex. En conservant le côté rocambolesque et foutraque de la narration, mais avec toute l'étrangeté. Et du coup, tous les personnages qu'on voit là, on peut. Pas tous. Pas tous. C'est simplement, sur chaque page, hein, tu as la matrice Niclou et la matrice jus d'ex. La matrice Niclou, c'est cette espèce de roman photo familial qui se développe, tu vois, qui tâche toujours une case de jus d'ex et quatre cases ou cinq cases de matrice Niclou. Là, en fait, la matrice jus d'ex... C'est quoi, matrice Niclou? La matrice Niclou, c'est ça. C'est pourquoi j'appelle ça comme ça, parce que le roman feuilleton qui est là, qui est vraiment un truc familial à 3-4 personnages, il n'y a presque personne, il y a la petite fille, la maman, la grand-mère, le père, et parfois un ou deux domestiques. Donc tout ça compose un roman feuilleton qui est très très proche de ce que tu pouvais lire dans Les Vieux ici Paris, ou Les Bonnes Soirées par exemple, tu vois. Ou je crois que c'était là. Tu vois pas ce qu'est Les Bonnes Soirées? Enfin, je vois le genre, mais... Ouais. Et bah, ça se développe pareil, donc à l'intérieur des planches, si tu veux, tu as déjà une fracture. Chaque planche, elle est déjà profondément schisée autour de deux mondes, tu vois. Le monde judaïque que tu vois sur cette case, là, donc ça c'est l'ouverture du judaïque de Franju. Donc ouverture qui est devenue très très célèbre, par laquelle Franju crée toute l'atmosphère de son film dans une sorte de bal masqué, avec pour figure principale cet homme oiseau. Et quatre cases donc qui s'y confrontent de façon assez brutale. Bon, ici, ça se voit moins, même ça, c'est héritier de jus d'ex, mais tu vois, c'est un dessin beaucoup plus anecdotique. Mais la plupart du temps, la fracture entre le monde jus d'ex et ce qui se joue dans les pages est beaucoup plus violente que ça. Donc, dès le début, tu vois, c'est annoncé ici, parce qu'entre Franju et jus d'ex, tu vois, il y a une syllabe commune. Donc, c'est ce qui crée ici le... Et donc, chacune de ces planches a été créée sans texte. Donc déjà profondément disloqué en pli interne, et donc tout ensemble à 32 encore plus. Mais du coup, toi, quand tu les as réalisés, t'avais pas du tout de trame narrative dans l'esprit? Non, rien à du part tout. Le lien non que... Mais le lien, si tu veux, il se fait de fait à partir du moment où il y a une chronologie judex qui traverse toutes les planches. Il y a donc un espace à la fois plastique et narratif qui, même s'il est comment dire,
même s'il est explosé par rapport au film de Franjeu, l'air de rien, tout ça se lit visuellement. Il en reste quelque chose, quoi. C'est émietté, comme quand tu lis les fragments d'Héraclite, tu recomposes la pensée, comme quand tu vois un film en dents de scie parce que tu fais autre chose, tu suis le scénario. Et là, malgré le côté très distrait de cette traversée de Judex, ça se tient. Quant à la matrice Niclou, qui traverse le Judex, elle est carrément tellement refermée sur un tout petit univers que c'est très simple, Oui, à quelques exceptions près. Oui, toujours. Les quatre personnages sont toujours là tout du long. Tu peux pas vraiment te perdre dans Niclou. Là où dans Judex, ça part un peu plus dans tous les sens. L'univers extrêmement domestique et familial de Niclou fait que bon, c'est pas très difficile de créer des récits. L'idée, c'est que ça serve à écrire tous les livres du monde après. J'ai fait dans une moindre mesure quelques tests, mais ça, à partir du moment où ça existe, ce 32 planches vide, non seulement moi je peux raconter plein de récits, donc je fais un récit en post-apocalyptique dans Laser qui doit faire 6 pages, dans CQFD qui fait 4 pages, je fais aussi un 9 pages, je sais plus pour quel magazine, et puis j'ai fait un 32 pages évidemment pour voir si j'arrivais avec toutes les planches. Ouais. Mais les planches tu peux les utiliser plusieurs fois, tu utilises celles que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Donc, en dehors de l'intérêt de pouvoir moi-même le faire, après, c'est de le confier à d'autres gens pour qu'ils racontent des histoires avec tout ça. Quoi. Et du coup, bah, j'ai mis en ligne, tu pourras voir les récits composés par Catherine, par Jérôme Le Glatin, par David Christoffel. C'est fascinant de voir que ça fonctionne très bien. Si tu veux, une fois, plus ce qui me plaisait là-dedans, c'était de briser les certitudes académiques selon lesquelles il y a vraiment des méthodes pour construire une histoire, et puis qu'il faudrait surtout pas en varier, et puis que si on veut construire un récit, il faut que ce soit super cohérent entre le dessin et puis le texte. En fait, pas du tout, c'est complètement con. Toi qui as eu Betty entre les mains ou La brève histoire du monde, tu vois bien qu'il y a généralement rigoureusement aucun rapport entre le texte et les images. C'est encore plus marquant en prière qu'un bouquin où il y a carrément 10 choix. Et les personnages changent de tête tout le temps, ça se suit très bien, il n'y a aucun problème. Je me suis rendu compte de ça en regardant des films muets, dont la musique enregistrée qui accompagnait les pressages DVD était médiocre. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que tu peux foutre n'importe quelle musique derrière, mais n'importe quoi, ça marche très bien. Donc toute idée d'une espèce de cohérence très savante, très complexe, il faut la prendre avec des pincettes. En fait, le spectateur ou le lecteur fait le boulot tout seul. Donc ça concourt, enfin ça vient rejoindre tout ce que je peux faire comme boulot contre l'idée selon laquelle il faut ménager le lecteur, cette façon de l'infantiliser en supposant qu'il y a des façons de faire les choses, qu'il faut pas le surprendre, faut que tout soit intelligible, en gros de le prendre pour un con. Et du coup t'as des retours là-dessus, des gens qui lisent Sur Judex, faut que la machine éditoriale soit lancée, donc il y a juste les lecteurs du Terrier qui l'ont lu, donc qui ont suivi, à qui ça a beaucoup plu et qui attendent plus qu'une chose pour cela, c'est que ça devienne des livres. Moi j'attends que ça devienne des livres pour voir à quel point ça peut fonctionner. Mais si Prière a pu être lu et aimé par des lecteurs alors que ce livre est désordonné et très brutal dans son désordre, tu te doutes bien quoi. Comment t'as élaboré justement ce projet de Prière? Tu t'es dit je vais évoquer un thème ou c'est de la semi-improvisation, tout ça au niveau des planches et est-ce qu'il y a un scénario ou je sais pas. Ah, si, un scénario, il se dégage petit à petit du truc. Il y avait deux idées maîtresses là-dedans. Il y en avait une qui surplombait toutes celles-là et qui était purement machinique. Humainement parlant, il fallait que je fasse une planche par jour minimum. À ce moment-là, je voulais juste chaque jour, je fais une planche de ce livre-là. Je savais que deux choses. Je voulais traiter de la colonisation comme processus, sans parler d'une colonie en particulier ou de paroles coloniales particulières. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout de le faire comme un historien, mais plutôt l'aborder de façon plus philosophique. Qu'est-ce que c'est comme problème ? Problématiser les colonies. Donc ça peut être colonisation du langage, colonisation des territoires, enfin peu importe. Et pour le faire, du coup,
je me suis obligé à n'utiliser que de la documentation coloniale. Donc dans des revues, entre la fin du 19e et puis les années 20-30, quoi. Il y a énormément de revues qui prétendent rendre compte de la vie merveilleuse ailleurs, chez les sauvages. Généralement, tu peux t'en douter que c'est un tir nourri sur toutes les populations asservies, mais avec toujours ce ton un peu patelin et paternel. Et donc, tout l'univers plastique a ça pour source. Et par contre, pour mode du dessin, deux références principales que j'ai hybridées, pour que ce soit une espèce de monstre plastique assez indécidable. Donc le modèle plastique pour l'utilisation du pinceau et des masses de noir, c'est la bande dessinée de propagande américaine pour les GI. Le modèle de composition graphique et de théâtralisation des figures est emprunté au monde des gravures qui accompagnaient les revues de catéchisme de la fin du 19e. Je me rappelle d'une planche où c'est les personnages et les objets, enfin je crois qu'il y a des fusils, sont comme des jouets en fait, comme des petits soldats en fait en plastique. Toi tu penses à la plaque? Oui. Ouais. Ah bah après il y a un autre enjeu évidemment, c'est que le livre est traversé par des obsessions formelles un peu particulières qui font toujours écran finalement entre une lisibilité immédiate et puis la planche. Donc tu as ce truc que tu décris qui est monté comme une maquette d'enfant, quoi, effectivement, qui, de façon un peu ironique, décrit le processus de construction où les personnages sont juste des articulations de récits démembrées. Mais ça, tu l'as de façon des fois plus propre à la bande dessinée, donc moins référencée, parce que là, ça connote à quelque chose d'extérieur, le monde des maquettes. Et des fois, c'est interne. Et tu vois la planche se constituer avec ses couches, d'abord la silhouette du personnage principal, puis un phylactère qui lui répond. Là, on n'est pas loin, si tu veux, du modèle de la maquette. À ce détail près, c'est que ça ne se réfère pas à quelque chose d'autre, mais c'est vraiment la construction d'une case et d'un récit. Et ce personnage-là, justement, il est... C'est censé être plus ou moins une incarnation du divin, mais en fait le jeu est plutôt trompeur. Il n'est pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a l'air d'être. Enfin, justement, je me demandais ce que tu pensais ou ce que tu croyais en fait par rapport à. Dans Docilité aussi, tu évoques un dieu qui a abandonné les hommes. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu. Il n'y a pas un message clair et net, mais tu évoques quand même Dieu. Bah, dans Prière, tout particulièrement pas, puisque on le voit très bien sur la. La couverture, il y a quelque chose d'ambigu à ce livre, c'est que il est question régulièrement, enfin comme juste d'un signifiant, du signifiant Dieu, mais il n'est pas question du tout de Dieu, puisqu'on est en train de parler juste de l'usage presque incantatoire que fait de son nom, mais à toute fin, quoi. Donc, soit pour légitimer la colonie, mais soit même pour organiser les discours entre les hommes. Donc il a juste une fonction de socialisation brutale, par la colonie ou par d'autres choses. Plus qu'un livre qu'un dieu qui a abandonné les hommes, c'est une idée du divin qui se retranche non pas en lui-même, comme dans la tradition juive où il fait tzimtzum, tu vois, il s'absorbe en lui-même pour laisser de la place à l'univers. Non, c'est une version plus parodique et ridicule, tout ça. Dieu décide de se perdre au désert pour aller mourir. Dieu se jette à la mort dans le désert, donc il est normalement plutôt le dieu des apparitions, des disparitions. Enfin, toute la tradition du monothéisme fait du désert le lieu de toutes les apparitions. Et là, c'est lieu de la disparition de Dieu, ce qui crée dans le livre une espèce de trou noir qui aspire le monde. Voilà. Mais c'est plus une drôlerie qu'autre chose. Je reviens là-dessus, si tu veux, sur la question du divin dans les textes. Mais pour le processus que je t'évoquais par rapport à Prière, chaque page est presque un enjeu différent par rapport à ça. Tu as des enjeux purement liés à l'animation du phylactère, où le phylactère devient autre chose que lui-même, il devient une matière vivante, il devient lui-même le personnage principal de certaines planches. Ici, tu le vois, les phylactères deviennent les lieux où se développent des champs d'autres phylactères, où tu ne sais plus qui parle qui, les choses sont parlées par d'autres choses, etc. Donc il y a énormément ça dans ce Prière. Et là, pour les structures, voilà un truc... Je ne sais pas si ça se voit, l'idée, c'est qu'on s'en rende compte qu'imperceptiblement. En fait, il y a un seul dessin, refait 4 fois. Sauf que, tout simplement, ce qui décide qu'un personnage a un visage ou pas, c'est celui qui parle.
Voilà, ça c'est le genre de jeu auquel je me suis beaucoup livré dans Prière, qu'ensuite me serviront pour d'autres bandes dessinées. Ça devient vraiment des principes narratifs. Mais tu vois, bon là j'aurais pu le systématiser de façon beaucoup plus radicale. Tu prends une image, tu évides tous les personnages, sauf un, celui qui parle. Et du coup, avec un seul dessin, il y a une dynamique incroyable qui se crée. Ce genre de choses, une Prière est une espèce, pour moi c'est quasiment un manifeste de bande dessinée, quoi. C'est tout ce que je peux m'amuser à faire pour multiplier les récits à l'intérieur des récits et dans Prière pour moi. Presque un guide pratique pour fabriquer des récits ou des bandes dessinées. Là on voit des phylactères gigognes où chaque phylactère est la genèse d'une autre histoire en creux possible. Là on retrouve ces principes d'évidement infligés à la case elle-même. Enfin, voilà, c'est un livre qui est vraiment hanté par la puissance de choses qu'on destine à la fonction. Le phylactère, c'est, on peut pas rêver plus fonctionnel, c'est le machin qui tient le texte, quoi. C'est le machin qui met... Et se dire qu'une fois qu'il est posé sur le papier, c'est beaucoup plus intéressant de se dire qu'il fait partie d'un espace particulier, celui de la production de bande dessinée. Donc il peut prendre une place beaucoup plus importante et devenir carrément un élément de structure et même une machine à produire du récit. Et donc pour le divin, s'il est aussi présent dans celui-là, c'est clairement en tant qu'il s'articule avec la question de la colonie blanche, catholique, en Afrique. Bien, fallait avancer, Bamba. Non, un bon petit coup de kiboko. Même si j'ai pas centré ça que là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se passent parfaitement ailleurs. Il y a des moments, là on voit bien un moment d'Inde, donc c'est plutôt un moment des colonies anglaises, sans doute, on peut l'imaginer. Peu importe. Mais ce qui était intéressant aussi dans Prière, c'était ensuite de faire jouer fétiche contre fétiche. Fétiche nègre contre fétiche blanc. Rêver aussi à des espèces de dialogues sur la fonctionnalité des fétiches. Des fétiches qui marchent plus ou moins bien. Enfin, tout un trafic aussi sur la façon dont des peuples entiers cherchent leurs propres représentants, tu vois, à se représenter à travers des signes. Et du coup, les méduses là-dedans, ça... C'est la chose politique pour moi. Il y a pas mal de dessins que je faisais à l'époque dans CQFD où tous les hommes politiques que je pouvais dessiner, c'était juste des méduses. Je ne leur faisais pas de visage, je ne leur faisais pas de vêtements. Et l'acronyme UMP, c'était juste un monde parfait. Donc pendant toute la période où je travaillais dans CQFD, où l'UMP était au pouvoir, là c'était en dernier, dès que je représentais un homme politique, je dessinais une méduse et c'était bon. C'est celui qui n'a pas de visage. Enfin, je sais pas. Là, pour le coup, il n'a même pas de polarité politique. Mais l'absence de visage, c'est encore autre chose. Le pinceau est pour beaucoup dans ce qui se passe sur la planche, puisque pas mal de ces planches ont été réalisées... ça se voit pas, je pense, j'espère que ça se voit pas. Il y a des planches réalisées sous champignons hallucinogènes, et d'autres, pas du tout. Et ça veut dire que le pinceau devient un vecteur assez important de réussite, tout gâchis. C'est comme tu contrôles pas grand-chose sous champignons, c'était important que je développe un rapport vraiment personnel sur la durée avec un outil, pour que je sache que même dans un état de désordre total du travail, il y a quelque chose à quoi je puisse me tenir. Je peux m'accrocher à mon pinceau, comme on dit dans la blague, pour qu'il reste quelque chose sur le papier, sinon ça me barrait complètement en couille. Après, bon, évidemment, sur ce récit-là, comme c'est un récit où je voulais vraiment me tenir à une idée très précise, tout le texte a été fait après. Mais je l'avais déjà en tête pour celui-là. Donc ça, c'est Apax, dont le sous-titre est « Prolégomène à une bande dessinée de droite ». Comme c'est un essai sur le plagiat, j'ai décidé d'envisager le plagiat comme problème économique. Voilà. Comme exemple, finalement, de créativité libérale, le plagiat. Mais des fois, la décision d'une planche, ça c'est une planche qui, pour sa genèse, est marrante. Et juste, mon compas traînait sur ma page, sur ma table.
Je me suis mis à faire 4 ronds au compas en plein milieu de la plage en me disant bien ce que j'allais en foutre. Hein. Après, une fois que j'avais 4 ronds, là j'avais l'air d'un con. Et ça a été décisif parce que c'est à cause de ces 4 ronds que le personnage principal qui est masqué derrière elle est devenu la mort avec laquelle le principal protagoniste dialogue. Bon, ça peut paraître comme ça un peu rock'n'roll, un peu niais, mais c'était en fait ça libérer ce récit d'y introduire un personnage féminin assez sarcastique comme ça qui était donc qui est la mort. Ça l'a libéré de son carcan purement rhétorique, je trouve. C'est un récit très bavard. Et d'un seul coup, ça aussi étonnant que ça paraisse, c'est ce qui apporte la dimension comique à cette espèce de dialogue absurde. Et juste parce que mon compas traînait sur ma page, mon bureau. Oui. C'est souvent comme ça, ce qui traîne décide. Ça veut dire qu'au début, tu sais pas combien de pages ça va faire ton récit. Jamais. Quel que soit le livre, je sais jamais. Non, en fait, créer des conditions. Tu travailles pas, par exemple, avec des synopsis ou des trucs comme ça? Non. Même si des fois, je sais à peu près où je vais, au début, quand j'ai une idée générale. Souvent, il y a des idées-formes. Je ne fais pas du tout de différence, en fait, entre ce qui est un objet et ce qui est un concept. Un concept est un objet, donc qui se polie, qui se travaille, qui doit rencontrer d'autres concepts pour que naisse quelque chose comme de la pensée. Après, il y a des concepts qui ne sont pas bons, il faut les jeter. Je ne sais plus qui disait ça, mais il y a un auteur qui disait que plus le message est complexe, plus sa forme aussi est complexe, qu'il n'y a pas de possibilité vraiment de vulgarisation. Non, les formes sont complexes, et puis en dehors du fait qu'elles soient complexes, il y a aussi le fait que leur complexité provoque des situations productives dans une lecture, tu vois. T'as pas du tout la même place pour penser devant un objet rudimentaire, simple, et devant un objet qui te résiste. Donc c'est pas que je cherche à faire en sorte que les choses résistent, hein. Donc je crée des conditions expérimentales de travail pour moi-même, parce que juste je travaille, donc je me confronte à des matériaux, à des espaces, à des représentations, des fois ça donne rien et je jette. Mais du coup tu disais que tu avais des idées-formes, c'est ça? Ouais, des idées-formes, ouais. Et est-ce que tu as l'impression, enfin du coup je suppose que quand tu fais de la musique ou... quand t'écris, est-ce que ça participe d'une volonté d'expérimentation qu'est-ce que ça t'apporte en fait tu dis que t'as des idées formes, mais est-ce que t'as des idées musiques ou est-ce que c'est une idée forme qui va faire un morceau mais qui peut aussi faire une BD? Par exemple, pour répondre à l'idée saugrenue selon laquelle il y a un fond et une forme en bande dessinée, des trucs à dire, puis le dessin autour, c'est évidemment des bêtises. Donc pour la renverser, tu peux te dire, on va faire en sorte que le texte dessine de façon visible et que le dessin parle de façon visible. On va essayer de mettre en évidence finalement l'ambiguïté réelle qu'il y a dans une bande dessinée entre ces deux pôles dynamiques de production. On ne va surtout pas appeler ça des contenants, des contenus, mais des pôles de production. Et on peut même imaginer qu'il y en a plus que deux, que ce n'est pas la peine de s'en tenir à une machine binaire. Il y a des machines plus complexes que ça, et je pense que celle-ci l'est très largement. Il y a beaucoup d'autres choses que la question du dessin et de l'écriture. Est-ce que ça peut être une question musicante? Je pense qu'il y a des moments, des tas de moments, où oui, une idée forme peut changer d'endroit, changer de discipline, d'une manière générale. C'est-à-dire quand tu es vraiment attentif à ce que tu fais, les idées formes changent peu d'endroit. Parce qu'elles sont vraiment chevillées à ce que tu es en train de faire. Ouais. Mais ce n'est pas impossible. Enfin, il ne faut pas écarter la possibilité que ça bouge. Voilà. Il y a des idées formes qui peuvent bouger. Des fois, les idées formes, elles sont très rudimentaires chez moi. Pour commencer, quoi. On commence par quelque chose de très simple. Hein, et puis on voit si ça produit quelque chose ou si ça ne produit rien. Par exemple, il y a aussi des choses qui ne sont pas des idées-formes, mais qui sont des idées, j'allais dire, dispositifs. Dispositif-disposition. Il y a du dispositif parce qu'il y a une espèce de structure un peu déterminante,
Donc ça peut être le cadre de travail, ça peut être le matériau que tu utilises. Mmh. Une forme de contrainte ou... Voilà, ouais. Quelque chose. Ouais, toutes sortes de contraintes, par contre. Hein, étant lu bien au-delà de la contrainte formelle, de la contrainte narrative. C'est-à-dire prendre des champignons pour travailler, c'est une contrainte. Hein. Ouais, ça peut aller très très loin, la notion de contrainte. Et des dispositions, parce qu'après, c'est te mettre dans une disposition d'esprit particulière, qui n'est pas forcément celle que tu as toujours, mais comme une prémisse mensongère pour commencer un jeu. Ouais. Donc là, dans ce genre d'idées, dispositifs, dispositions, il y en a une qui est très présente dans les derniers travaux, qui est l'enfantillage technique. Et c'est pour ça qu'il y a un spirographe ici. Mmh. Mais c'est pour ça que tu vois apparaître dans mes dernières bandes dessinées de la patatogravure. Hein. Et je te montrerai des très grandes planches. C'est des tampons avec des patates. Voilà, c'est ça, très rudimentaire. D'accord. Des choses qu'on apprend à faire à l'école quand on a 4-5 ans. Mmh. Faire des trucs qu'on range dans la case travaux manuels et qu'on arrête de faire quand on a passé 10 ans. Donc réactiver ce qu'on appellerait des machines ponctuelles ou temporaires. En disant non, elles ne sont pas ponctuelles et temporaires, elles sont juste abandonnées en fait. Et ça, c'est une disposition. Je m'ouvre à la disposition d'un enfantillage technique et voyons si c'est productif de situation, pas simplement de forme, parce qu'il y a des formes évidemment qui en restent, ça limite le champ, mais aussi de situation particulière. Est-ce que ça aboutit à des façons différentes d'aborder le récit, la structure, l'agencement d'une page, la dynamique d'une page? Si tu changes de pinceau, tu changes de dynamique de page. Il y a des choses qui viennent articuler une planche avec une brosse numéro 12 qui ne pourrait pas l'articuler de la même façon avec un pinceau numéro 6. Juste parce que c'est une seule chose, tu vois, ce support de papier là, et c'est pas fragmenté en petits problèmes en fait. T'as un méta gros problème qui est là. Et d'ailleurs, c'est pas la planche en fait, c'est la double planche à proprement parler. Ouais. Et après, en pli, si tu veux, ça devient un lieu. À la fois d'expertise et de divagation. Il y a les choses que tu sais faire, puis il y a les errances auxquelles tu cèdes ou pas. Les errances, c'est par exemple le hasard ou des choses comme ça? Ça peut être le hasard ou ça peut être l'insistance sur un point jusqu'ici indéterminé pour en faire un point déterminé. Insister sur... Tiens, un exemple typique sur cette planche, où tu as une insistance sur l'appareil striure. Donc, il est déterminé à un certain endroit par la nécessité de produire de l'ombrage, tu vois, sur le corps de cette femme. Bon, il y a des moments où faire des choix. Soit tu utilises de l'estompe, soit tu utilises de la dilution, soit tu utilises du graphite, selon que tu veux donner effet de gravure. Bon, là, effet de hachure, ça appartient plutôt au monde du dessin et de la gravure. Ok, ça s'articule comme ça. Tu vois qu'ici, dans son visage, quelque chose change. Hein, cette espèce de tramage... perd complètement l'illusionnisme, il insiste un petit peu trop sur sa présence de trait, il devient très parallèle, juste parce qu'au-dessus il y a la masse cheveux. C'est-à-dire que pris entre l'illusionnisme de l'ombre de son ventre et le sommet de son crâne, il y a ce travail du trait qui dit de façon effrontée combien il est trait, combien il est guidé. Tu vois, par le parallélisme, il a déjà perdu tout mimétisme, en fait. Il est en train de faire autre chose. Mmh. Regarde ce qui se passe mais tout autour. Ça garde quand même... Enfin, pour moi, dans les yeux, en tout cas, il y a une part de traits qui se prolonge quand je le vois, mais je pense aussi... Enfin, je le pense pas de manière là, je vois aussi une ombre au niveau de l'œil. Oui, bien sûr. Il a encore sa position. Il est vraiment entre les deux. Exactement. Quoi. C'est juste là que ça commence à déconner. Mm. C'est là, il y a juste un petit point par lequel, en gros, on rentre dans ce qu'on appellerait le fantastique. L'endroit où la réalité quitte un tout petit peu ses rails, mais c'est imperceptible. Et là, après, la machine est partie, tu vois. Après, lui répond un autre réseau, qui est un réseau interne qui apparaît externe, celui des veines. On voit bien que le réseau veine répond au réseau trait. Et le personnage qui est assis à gauche, qui est le réseau croquis, réseau ossature, complètement ambigu, puisque d'un seul coup, le trait de crayon gris, il apparaît comme trait de crayon gris, donc il n'arrête pas de dire « je suis à la source du dessin fini ». Je suis la chose qui d'habituellement est masquée derrière le parachèvement, derrière la maçonnerie, tu vois. Je suis le squelette qu'on ne voit pas, et il est aussi un squelette tout court, ou plutôt c'est un écorché. L'espace de sa représentation est déjà un espace dévoré par deux tensions différentes, à savoir squelette du dessin, squelette du personnage,
et évidemment avec une insistance sur la striure qui dépasse très largement le cadre du mythique. Évidemment, ceci finit par constituer, derrière cette femme, ce jeu de lignes colorées, qui sont des jeux d'entraînement de la patte picturale, là on quitte complètement le dessin, parce que ça a été contaminé par le squelette.